The Voice 7, on s'est incrusté aux dernières répétitions avant le deuxième prix Mivan Première, ils sont encore 12 en lice. Chacun avec leur univers et leur façon d'appréhender la pression. LCI s'est glissé dans les coulisses du studio 217 à la veille d'une nouvelle soirée en direct qui verra partir 4 nouveaux talents ce samedi. Attention à la fin, reste bien au centre. Pascal Obispo a quitté son fauteuil pour suivre, debout, la prestation de ses protégés.
Il ajoutera une touche de maquillage pour le direct samedi. Encore un conseil de Pascal Obispo. Après le premier prime, c'était un bordel émotionnel. Là, j'étais bien, pas stressée jusqu'à ce que je me plante. Je sais ce qui va se passer d'ici le prime. Je suis comme ça. Je vais avoir la chanson qui tourne en boucle dans la tête. Avance tes îles. A l'inverse, lui aborde ce second prime, le plus légèrement possible, afin d'avoir plus de poids émotionnel. Vous n'avez pas tout compris ? Nous non plus. Mais c'est aussi ce qui fait le charme du déjanté Frédéric Longuebois, qui commence par nous dire qu'il va chanter ce matin, « Un lapin a tué un chasseur avant de se raviser ». Il opte pour une chanson plus classique du répertoire français, décroche les applaudissements de son coach, Mika. Et nous file des frissons. Avant lui, Casanova et surtout Guillaume ont fait swinguer l'interprète de Relax. Un décor qu'on monte et qu'on démonte, des danseurs qu'on rappelle sur scène, les talents se succèdent dans la scène, entre collégial et titre individuel. Un nouveau round de répétition aura lieu à quelques heures du grand direct samedi. Après, il serait trop tard pour quatre d'entre eux. Alors autant en profiter à fond. Delphine de Frétasmi à jour, créée.